de survivants dans l'holocauste nucléaire cherchent un abri contre les fuites d'actifs immortels. Je les ouvre alors que je débrouille avec la radioactivité. Nous, on ne peut pas dire, mais leur rocher paradisiaque se transforme en assiette en plaque. Allons, réveille-toi. Même mort, il vous menace encore. Elle est jeune, elle est jolie, mais est-elle vraiment au fond des temps pour sa première expérience avec l'autre sexe? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh, il est joli, oh, 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 ce sont les premiers frissons de l'évanouissance. La première rencontre avec le monde du travail. Autant que je sache, ça pourrait aussi bien être la chaussette de ton père que tu plantes la trou. Tu veux trop, oui ou non? Vous insistez? Qu'est-ce que c'est que pour vous? Vous avez mis un concours, oui. Oh, j'ai eu du mal à derrière le tir. Elles vivent intensément les premiers émois de la révolte. Ce sont les moments les plus palpitants de la vie, à condition évidemment qu'on vous laisse le temps d'en jouir. Esclaves dans le monde du futur, livrés aux horreurs de la vie. Sans défense contre les désirs bestiaux de leur maître. À la merci de leurs moindres caprices et de toutes leurs perversions. Totalement enchaînées à leurs tyrans, elles sont soumises aux pires sévices et aux humiliations les plus dégradantes. Maintenant, elles aspirent à autre chose qu'à la liberté. Elles veulent d'abord se venger. Ça fait du bien de reprendre le monde après si longtemps. Les moteurs sont prêts. La turbopropulsion est enclenchée. C'est un film éblouissant, plein d'aventures haletantes. Un film d'action. Vous avez un couteau? Je mets celui-ci. Il faudra s'en contenter. L'homme et la machine se confondent, mais l'amour reste le plus fort. Oh! Une super production, avec une sélection de films superbes. J'ai l'intention de vous donner la chance. Vous êtes ignoble. Les femmes esclaves réussiront-elles à dominer leur maître? On peut les acheter, mais attention, elles pourraient bien vous coûter la vie.
esclaves de la galaxie, ont soufflé un vent de révolte sur l'univers. Les petites choses peuvent causer de gros ennuis. I know the child of the story is having their initiative. Trois adolescents ont décidé de tuer le digital des lycéens. And we just might be able to learn. On dit qu'il faut commencer par le derrière pour arriver sur le devant. Et c'est vrai. On dit qu'il ne faut surtout pas trouver son nez partout. Et c'est très vrai. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. C'est vrai. Que la curiosité est un vilain défaut. Et c'est toujours vrai. On dit qu'il n'y a rien de tel que les cadeaux pour entretenir l'amitié. Mais alors là, ce n'est pas vrai du tout. Il faut aussi donner sa part à monsieur le diable, quoi qu'il advienne de l'autre. Le mot d'argot malais pour la drogue est dada, et pour les trafiquants, la sentence est la peine de mort. Novembre 1983, deux jeunes Australiens, Kevin Barlow et Geoff Sanders, sont arrêtés à l'aéroport de Penang en Malaisie avec 179 grammes d'héroïne dans leur valise. Conduits en prison, ils attendent leur procès dans une ambiance de corruption et de violence. La mère de Kevin Barlow entreprend toutes les démarches pour le sauver. Elle contacte Ronald Reagan, Madame Thatcher et le pape. Car désormais en Malaisie, la peine pour les trafiquants de drogue est la mort. Le drame le plus bouleversant depuis mes souvenirs. La plus poignante depuis 150 mètres sous le bruit. Il mesure près de 18 mètres de long. Il pèse un peu plus de 1000 kilos. Et il va bientôt chercher. Je suis celui qui l'a vu. Et je dis qu'il est énorme.
Vous avez dit, monsieur Benoît, peut-être avez-vous fait une erreur. Un alligator avec cette taille mourrait en une semaine. C'est surtout une chose plutôt bizarre. Il parlait d'un alligator dans les égouts. D'un alligator dans les égouts? Quand il s'est échappé, impossible de là. La sécurité du public, ça me regarde, monsieur le maire. Il peut être n'importe où. Il est toujours prêt à attaquer à n'importe quel moment. Je pense que vous devriez accepter notre aide. Personne n'oubliera jamais l'alligator. Non, personne n'oubliera jamais l'alligator.